je pour rappel qui depuis dans le passé nous t'appelle un dimoun qui finit faire un vaccin dit D dose ou bien un autre vaccin dit N dose qui nous appelle les fully vaccinated. Maintenant dans sa régulation là nous finit donner une durée, c'est-à-dire si un dimoun qui ne fait D dose et ce deuxième dose depuis qu'il ne fait lui 6 mois ça connaît sa validité, sa sa statut de fully vaccinated là il dirait. Et puis après ça il pour obliger faire une booster dose pour qu'il est capable ou bien une troisième dose pour qu'il est capable faire ou qu'il garde sa statut de fully vaccinated là, parce qu'il ne tout connaît qu'il y a un vaccin lié à une durée, il produit une certaine immunité avec l'étude scientifique. Sa durée, protection qu'il y a là, il commence à diminuer et à cause de ça, l'emphase, l'ON booster dose, est bien, bien important. Jamais un ministre peut interférer le prix, c'est-à-dire le procurement process. Jamais un ministre a guetté qui le procurement process. Process procurement, il y a un état. Si vous pensez qu'il y a quelque chose pas bon, mais moi, je dis, dans l'institution qui besoin, moi, je suis content qu'il y ait des gens qui viennent dire tout ça. Mais seulement, il y a une instance appropriée. Ce n'est pas Dr. Gerard Pal, ministre de la Santé, pour venir dire qui prie. Si je commence à interférer là, un ministre jamais interfère. Ce n'est pas la première fois. C'est jamais moi, je connais. Il ne faudrait pas ou interférer comme un ministre. Laisse sa section qui guette ça. Lui, connaît qui lui besoin faire. S'il y a un qui se a besoin de aller, qui fait non. Encore bien, bien sûr, vous besoin aller. Quand il y a une institution qui peut faire une enquête et s'il y a appellement, je ne peux pas aller, je vais aller et je vais donner tout ce qu'il vous a dit. Si ce qui concerne moi, bien sûr. Mais écoutez, quand une question qui vient pour parlement fin de moi, je ne serai pas là. Je vais besoin donner toute réponse qu'il vous a dit, comment il était. Ce n'est pas question qui là, moi, je commence à poser une question qui fait ça comme ça. Laisse, si nous trouvons une affaire et là-dedans nous trouvons qu'il y a une zone d'ombre, laisse les cas enquêter. Moi, quand virer tourner, nous pouvons tourner en place là, avec nous ne pouvons pas progresser, parce qu'il laisse les cas enquêter et quand les cas enquêter, nous disons ce qu'il faut.